Bonjour Isabelle Faust. Bonjour. Alors nous sommes à la Folle Journée de Nantes, la Folle Journée qui a 19 ans d'existence. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce festival, la Folle Journée ? La Folle Journée de Nantes, ça c'est vraiment pour moi c'est un phénomène que René Martin a réussi à rendre la musique classique tellement populaire et de faire venir des gens qui normalement n'avaient pas du tout l'habitude d'aller écouter des concerts classiques. Et les attirer à découvrir toutes sortes de musique, aussi les jeunes qui viennent, plus qu'on peut voir normalement dans les séries, dans les abonnements de musique classique, des concerts musique classique. Donc ça c'est vraiment un énorme mérite et ça c'est un plus en plus gros succès tous les ans. Et pour moi, j'étais venue la première fois, je ne me rappelle plus exactement quelle année, mais je pense peut-être il y a 10 ans, même peut-être un peu plus. Et j'ai donc pu observer le développement, c'est devenu de plus en plus large, plus en plus de concerts, plus en plus de musiciens de tous les pays qui venaient. On voit aussi les copains de tous les ans vieillir, on vieillit ensemble un peu avec la Folle Journée. Là, ça fait quelques années que je ne suis pas venue, alors je peux observer les développements de tous les sens. Et oui, c'est quand même un rendez-vous très spécial. C'est aussi une occasion de découvrir certains compositeurs avec l'œuvre intégrale, avec on peut avoir beaucoup plus de horizons sur cette année sur les compositeurs français. Et quand on a un peu de temps à part des concerts à jouer, aller écouter les amis et les collègues, ça c'est quelque chose de assez rare aussi pour nous, comme on voyage d'un jour à l'autre, d'une ville à l'autre, et normalement on joue dans les mêmes villes mais jamais le même jour, donc c'est difficile de se croiser. Là ça fait vraiment plaisir de profiter de ça aussi. L'année prochaine, c'est le 20e anniversaire de la Folle Journée. Imaginez, vous avez une baguette magique. Vous venez l'année prochaine, vous pouvez jouer ce que vous voulez avec les musiciens que vous voulez. Qu'est-ce que vous jouez avec qui ? Oh là, il y aura sûrement beaucoup, beaucoup d'idées. Je pourrais imaginer peut-être jouer le Berg Kammerkonzert. Ou avec Florent Beaufort, avec lequel je me produis cette année, ou peut-être avec Alexander Melnikov, avec lequel je joue depuis très très longtemps en récital, et on joue cette incroyable œuvre la semaine prochaine à Freiburg. Comment la musique française a fait irruption aussi bien dans votre éducation musicale que dans votre carrière ? Alors c'est vrai que récemment, c'est pas une musique que vous avez particulièrement jouée, mais vous avez déjà fait des disques, il y a eu du Forêt, du Jolivet, Chausson, vous avez du Satie aussi avec Alexandre Tarot. Comment cette musique vous a suivi tout au long de votre vie musicale ? La musique française a toujours fait partie de mon répertoire. Évidemment, je pense à la sonate de Franck, par exemple. Je pense au quatuor de Debussy, au trio de Ravel, des œuvres comme ça. Je dois dire, quand j'ai commencé à vivre en France, j'ai développé plus de curiosité encore envers cette musique, et donc le résultat c'était la découverte pour moi du concerto de Jolivet, que j'ai donc enregistré un peu plus tard, et malheureusement j'ai beaucoup de mal de programmer cette œuvre. Les organisateurs et orchestres ne sont pas toujours très courageux, et j'ai pas eu beaucoup d'occasion de jouer ce concerto qui est absolument sublime et qui mériterait. Donc musique française cette année, citez-moi une des œuvres de musique française dans la période 1850-1960 qui vous touche le plus. Peut-être pas d'ailleurs obligatoirement une œuvre pour violon.
avec du violon, ça peut être. Oui, bon, il y en a tellement, tellement d'incroyables œuvres dans la musique française. Je pense que c'est difficile de choisir. Mon compositeur préféré de tous, probablement, c'est sûrement Debussy. Et c'est aussi intéressant pour moi, en étant allemande, de voir comment Debussy a réussi à se distinguer de la musique allemande de son époque et de trouver tout un autre chemin à lui avec cette légèreté et ses timbres et ses harmonies complètement à lui. La musique espagnole aussi au programme de cette année. Comment vous expliquez que finalement la musique espagnole, c'est une grande appellation qui comprend plein de choses, reste aussi peu jouée, finalement aussi méconnue encore aujourd'hui? Je pense que déjà il y en a peu qui sont vraiment très connus, des compositeurs espagnols. C'est sûrement aussi une musique qui est très idiomatique, qui est souvent très folklorique presque, et qui parle peut-être plus aux Espagnols directement que universellement à travers les pays. Je pense que pour bien comprendre cette musique, peut-être ça aide un peu être espagnol. Alors vous venez de publier un album de sonates pour piano et violon de Carl Maria von Weber, qui prouvera qu'il n'y a pas que le Freischütz dans la vie, dans sa vie à lui. Qu'est-ce qui vous touche dans ces œuvres-là en particulier que vous avez enregistré? C'était vraiment très amusant de découvrir ces petites sonates, 6 sonates pour piano et violon. On les connaissait, Alexander Melnikov, mon partenaire sur ce disque, et moi depuis longtemps. Et on avait du mal à trouver une autre œuvre qui devait aller sur un disque, parce qu'on avait tout de suite le projet d'enregistrer ces sonates qui sont très, très difficiles à trouver en enregistrement. Donc ça nous a pris quelques années de trouver le complément. Et d'abord, on voulait enregistrer des sonates de Mendelssohn avec ça. Et ça ne marchait pas très bien pour le minutage. Donc on est allé vraiment vers Weber. On s'est dit, il faut regarder. C'est vrai qu'il n'a pas écrit beaucoup de musique de chambre, mais peut-être il y a quelque chose qui peut bien aller dessus, sur ce disque-là. Et on a donc découvert ce quatuor absolument fantastique, je trouve, avec piano et cordes de Weber. Et ça complémente très, très bien les petites sonates qui sont pleines d'humour, pleines de fantaisie et de on dirait de choses extroverties que Weber a apparemment laissé dans l'air. C'est l'interprète qui doit vraiment avoir beaucoup de courage pour expérimenter les différentes choses et de se lancer un peu dans les extrovertis. C'est important pour vous justement de mettre le doigt parfois sur des œuvres moins connues. C'est vrai, quand on regarde votre carrière, aussi bien en termes de répertoire, de Bach à Berlioz, de, je sais pas, Feldman, Chausson, enfin on peut en citer énormément. Après on peut peut-être mettre ça aussi en parallèle avec les instruments. On sait que vous pouvez alterner, il n'y a pas vraiment de... Cette vision que vous avez finalement à 360 degrés presque de la musique. comment vous avancez finalement avec tout ça? Est-ce que vous avez une sorte de gloutonnerie de répertoire, de jeu, d'envie, etc.? Évidemment, on a toujours envie de découvrir des œuvres qui ont été un peu oubliées. Et les sonates de Weber, c'est vraiment le cas. Ça a été joué apparemment pas mal à une certaine époque. Il y a un enregistrement de Ruggero Ricci. On a trouvé un enregistrement de Victor Pickeisen et d'autres violonistes russes. Donc à une époque, c'était un peu à la mode ou plus connu qu'aujourd'hui. Les sonates de Weber ne méritent pas du tout d'être complètement oubliées. Ça, si on peut, en plus d'interpréter dignement des belles œuvres, aussi leur aider à réapparaître un peu, ça fait toujours plaisir. Thank you.
Mais est-ce que dans tout cet océan de projets que vous avez régulièrement, aussi bien au disque qu'au concert, vous avancez étape par étape, step by step, comme on dit, ou est-ce que finalement vous vous projetez vraiment rapidement, vous savez vers où vous voulez aller, que ce soit des œuvres essentielles, comme les sonates et partitas de Bach, que vous avez revisitées à votre manière, ou alors des œuvres effectivement moins connues, comme ce disque de Weber? Quelquefois, c'est un peu par hasard qu'est-ce que fera le prochain projet d'enregistrement. Ça dépend quelquefois un peu de la programmation de la saison. Ça dépend aussi un tout petit peu du rythme de répertoire que je sors sur disque. Je crois que c'est sûrement un bon rythme de faire sortir des œuvres majeures et quelquefois aussi alternant avec des œuvres moins connues. Mais les œuvres moins connues doivent être de la même qualité et ça, il faut chercher. Est-ce que finalement le fait de ne pas trancher entre les instruments modernes et les instruments anciens, pour vous, c'est une manière de balayer la question des écoles, de se dire telle école ou telle école? C'est finalement d'avoir votre propre école finalement. Ah, si. Cette question d'école, je trouve que c'est une difficile question. Aujourd'hui que tout le monde voyage tellement, aujourd'hui que tout le monde fait ses études dans un autre pays, ça se mélange quand même beaucoup. L'école, je pense, mon école, c'est ma propre école, parce qu'elle est faite, elle est un mélange d'un professeur hongrois que j'ai connu très tôt, mon professeur allemand Christoph Poppen qui venait de la musique de chambre, donc c'était pas un virtuose soliste classique. Oui, ça devient un mélange très individuel. Je pense que j'ai un mélange unique dans mon école. C'est quelque chose que vous avez trouvé assez facilement, naturellement, justement, de toutes ces, finalement, comme une éponge au début, finalement, on prend de ses professeurs, de tout ça, et de trouver sa propre voix, sa voix à soi. Est-ce que vous avez eu une sorte de révélation? Est-ce que vraiment vous avez su à un moment que vous aviez, vous, quelque chose à dire en musique? Je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'âge, quand même. C'est quelque chose qui doit mûrir doucement. Je ne pense pas qu'on se réveille un jour le matin. Est-ce qu'il y a eu quand même un moment dans votre carrière, par rapport à un disque, par rapport à une rencontre, par rapport à un instant, où vous avez vraiment quand même senti que quelque chose basculait? Vraiment, je pense que c'était très, très doucement. Comme toute ma carrière, ça s'est développé toujours. Graduellement, c'est assez, peut-être assez rare en fait que ça se faisait comme ça. Évidemment, à l'âge de 15 ans, j'ai gagné un concours international. Ça m'a changé la vie parce que ça m'a ouvert les portes envers les orchestres. Avant, c'était que la musique de chambre et le quatuor à cordes pour moi. Donc ça, c'était un point très déterminant. Sans cette victoire de concours à l'âge de 15 ans, j'aurais peut-être pris une autre voie. Et après, ça s'est vraiment développé très graduellement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des professeurs qui avaient beaucoup, beaucoup d'intelligence dans le guidage vers la maturité et vers l'indépendance de la pensée musicale. Après aussi de travailler en musique de chambre avec des collègues qui avaient la même manière de penser, qui avaient aussi une manière d'être très critique avec eux-mêmes et aussi envers les collègues. Ça, c'était au moins aussi important et instructif que tous mes professeurs ensemble. Dans ce parcours, comme vous avez dit, très progressif, quel rôle ont joué les disques? Les disques, que ce soit les enregistrements historiques, est-ce que quand vous étiez une petite fille, vous écoutiez plein de disques? Est-ce que vous avez eu des phases? Et quel rapport tout au long de votre vie vous avez entretenu avec les disques?
Est-ce que vous en écoutez beaucoup, même encore aujourd'hui, ou pas? Est-ce que vous avez des phases? Si, j'écoute encore. Même si je dois avouer, quelquefois, avec tellement de musique dans la vie, en général, un peu de silence, ça fait du bien. Ou autre chose, regarder un film, ou aller faire une promenade et écouter les oiseaux. Ça, c'est important aussi. Mais oui, j'écoute encore beaucoup parce que souvent, on a aussi, justement, on cherche des œuvres, un nouveau répertoire, et souvent, ça aide d'avoir aussi l'aide de la discographie énorme aujourd'hui, facilement joignable par l'Internet. Et c'est évidemment très pratique. Oui, les disques, quand j'étais petite, on écoutait beaucoup à la maison. Ça c'était souvent, c'était Anne-Sophie Mutter. Elle est de mon coin. Elle était évidemment très présente dans ma région, dans mon pays. Et c'était quand même une sorte d'idole. Donc, il y avait les concertos de Mendelssohn, ouais. Le concerto de Beethoven, Brahms, tout ça, c'était Anne-Sophie Mutter. C'est des disques que vous avez usés, que vous avez écoutés en boucle. Oui, hein. Oui, j'ai beaucoup écouté ça. Mais j'ai commencé donc à jouer du quatuor à cordes à l'âge de 11 ans. Et on était très occupés avec ça. Tous les week-ends étaient pris par le quatuor. C'était assez exceptionnel pour des jeunes de 11-12 ans de faire ça, vraiment full time on dirait aujourd'hui. Et là on a déjà compris qu'il fallait vraiment trouver une manière à soi-même de sentir la musique, même à l'âge de 11 ans, c'était clair dans la musique de chambre. Écouter un autre disque, c'était pas suffisant, et essayer de imiter, parce que tout de suite c'était un dialogue qu'il fallait trouver entre les quatre jeunes gens. Et je crois à l'âge de 11 ans, 12 ans, on avait déjà avec les autres amis et mon frère qui jouait dans le quatuor, on avait déjà compris qu'en fait il faut, là c'est quelque chose qui se crée entre les quatre à l'instant, et il suffisait qu'un des quatre jouait une phrase un peu différemment que d'habitude, et tout le monde changeait les réponses. Donc juste écouter des disques et essayer d'imiter, c'était même pas tellement la question. Je crois que c'était dû à ce travail très important en musique de chambre si tôt. Après, les disques que j'ai pu faire moi-même, ça c'est évidemment quelque chose qui, je pense, était très très important pour le développement de toute la carrière. Je vois la différence avec des excellents collègues qui n'ont pas cette occasion-là de régulièrement se présenter, avoir la chance de laisser une petite trace qui tient plus longtemps qu'une soirée de concert live. Et je vois que ça fait quand même une différence dans la vie professionnelle. C'est quoi les petites traces que vous voulez laisser par la suite, les projets que vous avez au disque, ou les envies, ou peut-être les rêves plus lointains en termes d'enregistrement ou de répertoire à aborder dans le futur? J'ai plein de jolies œuvres que je voudrais bien encore enregistrer. Là, donc le Weber est à peine sorti. Le prochain disque qui va sortir, ça sera les deux concertos de Bartok que je viens de finir à monter. Et je pense que ça sort en automne. C'est avec Daniel Harding et Swedish Radio Orchestra. Il y a un autre disque qui est déjà fait et qui attend la sortie. Ça sera les trios de Beethoven, Erzherzog et Opus 97 numéro 2. Non, 70 numéro 2, pardon. Ça, c'est les numéros français qui sont difficiles. Et ça sera en instrument d'époque, en boyau, avec Jean-Guillaume Keras et Alexander Melnikov. Et l'année prochaine, on a un grand, grand projet avec les deux collègues. On a le projet d'enregistrer tous les trois concertos de Schumann, donc celui pour violoncelle et celui pour piano, et aussi les trois trios. Et ça sera avec le Freiburger Barock Orchestra, donc aussi sur boyau et piano d'époque. Après, il y a plein d'idées. J'aimerais vraiment un jour enregistrer le Nocturne de Schubert. J'ai un
très joli groupe. On se produit de temps en temps, tous les ans, deux, trois fois. Et ça mûrit comme ça d'une année à l'autre. Et on voudrait bien un jour pouvoir aussi enregistrer ça. Merci Isabelle Faust. Merci.